XVIIIe siècle. J'espère que je vous donnerai envie de lire Colette. En fait, c'est ça. Colette. Je crois que c'est vraiment ça, la chose. J'ai été élue à l'unanimité à l'Académie de Belgique. Voilà, donc tout ça, c'est des petits clins d'œil à Colette. Vous verrez, il y a une illustration dans la salle. Ça vous bonjour. Et Colette, regarde. Voilà, regarde. Donc, c'est une femme qui savait regarder et qui savait traduire cette vision qu'elle avait du monde, la nature des hommes, dans son écriture. Comme elle le voulait, elle a fait tout ce qu'elle a voulu de sa vie. Et donc évidemment ça a... On est au pays des voyages extraordinaires. Là encore, partout, un clin d'œil à l'écrivain. Entre autres, j'aime bien montrer l'orientation de son écriture par la lettre. J'ai agrandi les pages de Jules Verne. C'est assez marrant. Regardez par le chapitre 7 du Tour du monde en 80 jours, qui témoigne une fois de plus de l'inutilité des passeports en matière de police. Vous vous souvenez de ces couvertures rouges, un peu passées comme ça. Qui défilaient souvent, donc ça c'est des plaques uniques par contre. On allumait une petite bougie. C'était un ami de Colette, et c'est pas pour rien. Ça a été un des grands, comment dire, il était poète, autant de... Jean Marais, et vous avez Auré, franchement il était dur hein, avec lui et avec la cour. La petite chaise là, cette vieille chaise, j'imagine. 7 euros les